Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'unboxing. Euh, Alors, désolé parce que l'unboxing, je l'ai déjà fait, il y a eu un problème technique avec la caméra. Donc, du coup, euh, j'avais commencé l'unboxing de euh, cette euh, figurine DXF de Bardock. Euh, voilà, donc euh, du coup, bah, je ne vais, euh, vais pas refaire un unboxing, je vais pas tout remettre dedans pour l'ouvrir, ce serait complètement con. Donc, vous pouvez voir que c'est une officielle avec euh, ici le, euh, le numéro qui est à peine visible 12004, enfin 12004, voilà, donc c'est une officielle hein, avec euh, le fameux euh, autocollant de la TOI et les euh, trois scotchs que j'avais euh, déjà ouverts Alors, je vais vous montrer un petit peu euh, ben, cette figurine. Alors on va commencer par la tête parce que ça va être le plus pratique parce que la tête est extrêmement lourde. La tête fait déjà, trois, euh, fait déjà deux tiers du poids de la, de la figurine. Donc euh, la tête elle est plutôt bien faite euh, même si évidemment ça fait un peu ridicule d'avoir une tête aussi petite pour des cheveux aussi longs. Mais il euh, n'y bon, a pas grand-chose à reprocher au niveau euh, de la tête. Les, la peinture jaune est assez uniforme, il n'y a pas de pâté. Et euh, les yeux aussi sont bien délimités. Je mettrai juste une petite note négative sur la cicatrice. Euh, ça aurait été quand même beaucoup mieux que de la creuser vraiment en relief, comme la bouche. Hein. Ici, la bouche, on peut sentir en relief. Il aurait été quand même bien bon de faire un vrai trait plutôt que de mettre une sorte de peinture. Parce que du coup, ça ne fait pas du tout cicatrice. Ça fait juste, en fait, euh, ben, peinture de guerre. Hein. Voilà. Ensuite. Le corps, alors le corps c'était euh, ben, quand j'avais fait ma première présentation avant qu'il y ait eu le problème technique, euh, le corps, il y a un énorme problème au niveau du torse. Euh, en tout cas pour la mienne, j'ai un problème de peinture ici, j'ai un problème de peinture ici. Vous pouvez voir que qu'il y a du blanc qui, qui déborde sur le noir ou le noir n'est pas assez, euh, pas assez euh, euh, terminé correctement. Euh, voilà, vous avez des problèmes de peinture ici aussi. Euh, là. Clairement, vous avez des problèmes de peinture. On peut voir ici que le noir ne va pas jusqu'au bout. Juste au-dessus de mon ongle, là vous pouvez voir que là dans l'intersection. Dans euh, et au niveau du torse, enfin au niveau du dos, il y a aussi la peinture qui ne va pas jusqu'au bout. Voilà, alors hormis ça, après au niveau euh, du bas, il n'y a pas trop de problèmes de peinture. Ici, c'est assez bien fait. Ici, c'est assez bien fait aussi. Euh, et le pantalon, est, euh, assez, la couleur est assez uniforme au niveau du pantalon, il n'y a pas de problème de, 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 de peinture à ce niveau-là. Euh, bon point aussi au niveau des chaussures, bizarrement les chaussures qui nécessitent un travail de précision un peu plus, euh, voilà, un, un peu plus concentré de la part des gens qui font les peintures, et eh bien bizarrement ils ont beaucoup mieux réussi euh, les chaussures que euh, le torse, alors que le torse, bizarrement, il n'y a quasiment rien... Affaire au niveau de la peinture, hein, c'est que du noir, c'est bien délimité, il n'y a pas vraiment de détails de fou et le torse a été franchement bâclé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est du bâclé. Ensuite, au niveau euh, de la main. Écoutez, on est, dans du, on est plutôt dans du correct, on est dans du correct euh, de ce qu'on peut retrouver généralement dans les bandes presto, avec des petits détails à l'intérieur de la main. On peut voir la délimitation des ongles aussi, on peut voir euh, voilà, les, les tendons. Donc, ça, c'est euh, plutôt correct. Voilà, donc on va passer à la pesée. Euh, donc, c'est une figurine qui pèse assez lourd. Mais euh, qui pèse lourd surtout parce que la tête, parce que la tête déjà pèse à elle seule 200, si vous pouvez le voir, 257 grammes, 258 grammes, rien que pour la tête. Donc ça fait quand même, euh, c'est quand même assez abusé. Et au total, elle pèse euh, 400, 420 grammes il me semble, ouais, 415 grammes, voilà, 415 grammes dont euh, deux tiers du poids se situe dans la tête de Bardock et ensuite au niveau de la taille. Eh bien écoutez, je vais faire la mesure au niveau de la taille. On est dans du classique, je pense. On est aux alentours de 18 cm Un peu plus haut, je dirais à 21 cm Si on prend du bas, du bas du socle jusqu'en haut de la tête, vraiment au plus haut de la tête, on est à peu près à 21 cm pour 415 grammes. Voilà pour cette présentation de Bardock et puis alors je suis désolé de pas avoir fait l'unboxing à 100% mais malheureusement problème technique il y a eu et je n'ai pas voulu re-emballer tout ça, ça aurait été complètement stupide de réemballer emballer cette figurine puisque de toute façon ça se serait vu que ce n'était pas de l'unboxing pur et dur, voilà donc cette figurine va compléter encore ma collection si j'arrive à lui trouver une petite place et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous